bienvenue à Jerez de la Frontera. Tout est prêt pour le départ de la séance de qualification qui déterminera quel pilote s'élancera en pole position demain. Après la pluie qui tombait il y a quelques heures, le ciel semble enfin se dégager. Le circuit reste cependant très humide et l'on peut supposer que les pilotes opteront dans un premier temps pour des pneus rainurés. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière sur MotoGP 2018. On est toujours en Moto3 et aujourd'hui on est sur le circuit de Jerez en Espagne. En espérant pouvoir refaire une belle performance comme nous l'avions fait aux États-Unis, puisque en plus on a une piste humide et on a vu que j'étais pas mal avantagé quand la piste était humide du fait que l'IA est simplement moins rapide quand il pleut. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas ça nous avantage. Alors espérons que nous allons refaire un beau résultat et rester sur cette belle performance et cette belle lancée. On va le savoir tout de suite, on va rejoindre le paddock immédiatement. Allez, nous voilà. Comme d'habitude, on va partir tout de suite pour les qualifications. Et puis, comme d'habitude, bon, on se retrouvera à la fin de ces qualifications pour voir en quelle position nous partirons sur ce Grand Prix d'Espagne à Jerez. C'est la fin des séances de qualification et de la course à la pole. Les résultats que vous voyez s'afficher reflètent la grille de départ et donnent également une idée de ce que les pilotes pourront accomplir lors de la course de demain. Et donc nous voici à la fin des qualifications. Et bien c'est bien comme je le pensais, avec la pluie, et ben je suis plus à l'aise. 1.55449 pour la pole pour moi, derrière moi Aaron Canet 1.58810, donc c'est un écart de temps qui est assez énorme. Peut-être que pendant la course la pluie ne sera plus là, donc la bataille sera plus serrée, ils seront plus rapides, mais en tout cas avec la pluie ça confirme. Le ressenti sur le Grand Prix des États-Unis, une fois que la pluie est apparue, l'IA est beaucoup, beaucoup moins rapide. On va tout de suite partir, cette fois-ci, pour le jour de course, en pole position, en espérant, ben, comme sur le dernier Grand Prix, décrocher une victoire ou un très bon résultat. Une victoire serait quand même pas mal, partir... On reste sur notre belle série, commencer une belle série, pardon, ce serait quand même pas mal. On se retrouve tout de suite pour le jour de course. Bienvenue sur le circuit de Jerez de la Frontera. Plus que quelques minutes à attendre avant le départ du Grand Prix de Moto3 d'Espagne. Les prévisions météo sont très rassurantes. Nous aurons un temps ensoleillé pendant toute la durée de la course. Allez, cette fois-ci, on est là pour le jour de course. Alors comme le commentateur vient de le dire, il n'y a pas de pluie. Cette fois-ci c'est une météo dégagée, donc ça risque d'être un petit peu moins facile du coup pour moi. Puisqu'on a vu que sous la pluie j'étais fortement avantagé. En revanche, quand la météo est dégagée, les pilotes sont tout d'un coup beaucoup plus rapides. Donc on va se retrouver tout de suite sur la grille. En espérant pouvoir faire un bon départ, parce que je suis toujours et encore en galère sur les départs. Mais bon, on espère travailler là-dessus et on espère que ça ira de mieux en mieux. Mais pour le moment, c'est la course. Plus que quelques minutes avant le départ de la course de Moto3, nous sommes actuellement sur la grille de départ et nous attendons que les pilotes reçoivent le signal qui va lancer le tour de chauffe. Allez, on est parti. J'adore vraiment hein, ces cinématiques, je m'en lasse pas. Je trouve que c'est assez sympa en arrière-plan du menu. Nous voici à l'écran, en pole position. Allez, on rejoint tout de suite le circuit. La grille de départ. Devant moi, personne forcément parce que je suis en pole. Derrière moi, l'Espagnol Aaron Canet. Mon coéquipier Thomas Binder sera à la 23e position. Allez, on est parti. Quelques instants avant le départ du Grand Prix d'Espagne, la concentration, il faut pas louper son départ. Le mieux possible. C'est toujours une catastrophe ce départ.
là. Oh là 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 là, je suis passé beaucoup trop à l'intérieur. On est beaucoup moins avantagé hein, quand il n'y a plus de pluie. J'ai jamais les bonnes trajectoires, c'est... Allez, l'intérieur, ça passe. On récupère la troisième position. Pour le moment, on est sur le podium. On vient d'entamer le deuxième tour. Bien concentré. Derrière, il est vraiment pas loin du tout. Je glisse quand même. Je suis à l'attaque partout pour pas perdre le contact. Et mes trajectoires sont vraiment pas très très bonnes. Il va falloir améliorer la maniabilité de la moto, je pense. Mes freinages sont pas terribles non plus. On est revenu sur le deuxième.
je commence à rentrer dans le virage en même temps que lui, mais ça va pas du tout. Ah, on le voit, hein, il pleut pas. Le niveau est pas le même. Le petit choc. J'ai failli perdre l'arrière sur le freinage. Mais non! Revenu là au contact sur le freinage de l'épingle. Je comprends pas ce virage. Je me fais déposer à chaque fois. Ah bah ça y est. Je viens de perdre une position. Wow. La vitesse qui passe ce virage. Allez, on entame le sixième tour. Là, je suis en galère. J'arrive pas à tenir la courbe. Je
le sens arriver beaucoup plus vite que moi à l'entrée du virage, mais alors dans le virage c'est encore, c'est pire que tout, hein. Je me fais réellement déposer. Allez, on rentre dans le dernier tour, on a toujours le podium pour le moment. Bien rester au contact, tenter sur le dernier freinage parce que là on sait qu'il va être plus rapide que moi. Ça passera pas. Ah, c'est dommage. Bon, on aura un podium quand même. Mais bon, c'est pareil, hein, j'avais fait la pole et on voit qu'il y a vraiment une réelle différence de niveau qui est énorme entre quand il pleut et quand la piste est sèche. Et c'est là, du coup, c'était à mon désavantage pour une fois. Mais bon. Une troisième position, on est dans les points largement, on remplit les objectifs encore une fois largement, donc un résultat plus que positif malgré que, voilà, en faisant une pole, c'est pas la première fois, on s'attend plus à une victoire, mais voilà, j'ai été en galère un bon 60% de la course, impossible de tenir mes lignes, va falloir améliorer la moto. Améliorer mon pilotage et puis ben on verra ça pendant que les stars de la par la course suite. Commencent à se regrouper dans le parc fermé, nous allons jeter un œil au classement final de Moto 3. Donc Aaron Canet qui remporte ce Grand Prix de Jerez chez lui en Espagne. Il nous a mis 3 secondes hein, d'ailleurs. Le meilleur tour est pour moi, une 50-282 quand même, malgré que je sois en galère, le meilleur tour est pour moi. Deux KTM sur le podium, c'est parfait. Notre coéquipier donc a démarré 23e et il finit 24e. Hein, donc voilà, je suis toujours avec des coéquipiers qui sont à la ramasse, mais bon, c'est pas très grave. On va se retrouver tout de suite pour le classement général. Alors au classement général, eh bien je suis toujours deuxième, c'est Aaron Canet. Juste derrière moi, qui a fini premier sur ce Grand Prix, et Jorge Martin, je reviens sur Jorge Martin. Aaron Canet revient sur moi, bien évidemment, puisqu'il vient de remporter le Grand Prix et je viens de faire une troisième belle position. Mais Jorge Martin, lui, a fini cinquième, il me semble, ce qui me permet de revenir à un seul petit point du leader. On est 3 pilotes avec 5 points d'écart. Hein. 78 points pour Jorge Martin, 77 pour moi et 74 pour moi. Notre coéquipier au classement général doit être loin. 23e sur 29, donc c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Bon, en tout cas, ça nous laisse remplir nos objectifs puisqu'il faut que je finisse devant mon coéquipier. Donc pour le moment, 100% de réussite. On va voir sur quel circuit il va falloir de nouveau faire un bon résultat pour pouvoir
peut-être passer Jorge Martin et rester devant Aaron Canet, surtout un podium pour cette première saison de Moto 3, ce serait quand même pas mal. Alors on a gagné 1960 points de réputation, 6720 points de développement, on est presque au niveau 53 sur la position du pilotage, on est toujours au niveau 52, un peu plus de la moitié sur le contrôle d'accélérateur, pareil pour la gestion du freinage, et on est toujours au niveau 52 rempli aux 3 quarts sur l'angle d'inclinaison. Les objectifs sont remplis, on a fait premier aux qualifications, l'objectif de course était 6ème, on a fait 3ème, c'est parfait. Terminé avant nos coéquipiers, il aurait fallu que je fasse en dessous de la 24ème position pour ne pas le remplir. Mais on ne sait jamais, une chute est très vite arrivée. La confiance de l'écurie, eh ben, je suis presque à 100%, petit à petit ça grimpe jusqu'au bout. Je suis toujours largement au-dessus du trait du premier pilote, c'est parfait. Alors là, on va avoir le droit à notre petite cinématique de podium. Cette troisième place est bonne pour le moral de l'équipe. 16 points de plus au classement et l'assurance d'avoir une moto et un pilote extrêmement compétitifs. Voilà, c'est parfait. Encore un podium. Sous le soleil de Jerez. On va voir où est-ce que l'on se retrouvera pour le prochain Grand Prix. En espérant toujours pareil, je vais essayer d'améliorer la moto, je vais essayer de travailler un petit peu sur mes courbes, d'avoir un petit peu plus d'entraînement pour pouvoir rivaliser au moins quand il fait sec, quand la piste est sèche, pardon. Ce serait quand même... pas mal, même si du coup ça offre pas mal de spectacles, mais j'ai l'impression que mon pilotage est parfois assez sale. Donc voilà, on se retrouvera le week-end prochain sur le Grand Prix de France, on sera à la maison sur le circuit du Mans, et ça, on aura 7 tours sur le très très beau circuit du Mans, donc c'est le Mans Bugatti, hein, circuit moto. Donc on se retrouvera la prochaine fois pour le Grand Prix de France. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à vous tous de l'avoir regardé. Merci à vous tous de me suivre comme d'habitude. De plus en plus nombreux. On se retrouve au Grand Prix de France la prochaine fois. Je vous laisse là-dessus. Bye et à la prochaine.